Eh bien, bonjour à tous. Salut Philippe, salut Bibox. J'espère qu'aujourd'hui le son sera quand même suffisant par rapport à l'autre fois où il était un peu juste. J'irai augmenter un petit peu en espérant qu'il n'y ait pas trop de. J'irai augmenter le gain en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit additionnel. Pas de panique, vous n'allez pas dépenser de l'argent tout de suite. Ni Philippe, ni Box, tout va bien. Enfin, on verra. Bon, et bien si vous entendez bien, c'est parfait. Bon, un peu comme tout le reste, hein. Les projets s'accumulent et alors à la fois il n'y a peut-être pas assez de temps, mais surtout comme je l'ai vu passer sur Twitter, il y a toute une série de discussions que j'ai trouvées très intéressantes, on y reviendra peut-être, sur cette espèce d'essoufflement un peu généralisé chez tout le monde. On n'a plus trop envie de se lancer dans nos projets, même si notre cerveau nous dit vas-y, vas-y, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Moi je sais qu'en plus s'ajoute le fait que ben voilà. Ce lieu, c'est le même fauteuil, la même installation qui me sert pour travailler toute la journée quand je vous fais un live. Donc m'installer au même endroit le soir pour faire des projets perso. Il y a des fois, j'ai juste envie d'être dans une autre pièce. Donc c'est pas toujours idéal. Et c'est ça. Et malgré tout, ça n'empêche pas de toujours, ce qui est bon signe, d'avoir toujours envie de faire plein de projets. Donc moi je sais que perso ben j'ai un peu accumulé pire que d'habitude du matos et justement aujourd'hui je voulais vous parler d'un de ces achats un projet que j'ai backé je sais même plus quand il y a plus d'un an je pense je vais vous partager la page du projet c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est un projet de chez Pimoroni. Donc Pimoroni, une société anglaise très axée sur le do it yourself, qui vend un tas à la fois de composants, on va dire, hein, pour le monde des projets électroniques, mais aussi beaucoup de ces petites choses intermédiaires qui moi me plaisent beaucoup, issues du monde, alors Raspberry, Arduino, des cartes de chez Adafruit. Et donc là, j'ai deux remarques là-dessus. La première, j'ai vu passer ce qui était une espèce de petit troll sur Axter.io, je crois, qui montre une espèce de carte qui ressemble à une Arduino et qui en fait ne contient que un composant qui s'appelle le 555, qui est un petit composant qui permet déjà de faire plein de choses avec un timer. Et voilà, ça ricanait en disant il n'y a pas besoin de plus. Et vas-y que dans les commentaires, tous les experts intergalactiques là, ont déboulé en disant ouais, l'électronique pour les vrais bonhommes, c'est des conneries, ces Arduino, il n'y a pas besoin de ça. Eh ben je suis désolé, mais je suis pas d'accord du tout, parce que moi s'il n'y avait pas eu les Raspberry, les Arduino, Adafruit avec ses cartes, ben, je me serais pas lancé dans tous les projets où je m'éclate en ce moment. Et je suis pas le seul. Et je trouve que c'est. Ces projets ont permis à plein de gens de se lancer et c'est vraiment con de. Comme toujours, hein, c'est comme les débats. Le C est seul vrai langage du monde, ou JavaScript, on s'en fout. Putain, mais laissez les gens vivre. Il faut de tout pour tout le monde. Et voilà. Et donc, Pimoroni, ben, ils sont jaloux parce que ça permet à tous de faire des choses. Je suis bien d'accord parce que ça attire des gens qui, bah ouais, ok, c'est peut-être pas optimum. T'as utilisé une carte Arduino pour 3 LED dans un coin. Ouais, mais n'empêche, tes LED, elles font ce que t'avais envie qu'elles fassent. T'as rien demandé à personne, t'as fait ton truc. Et t'as pas eu besoin d'un consultant à 10 000 balles par jour. J'exagère, mais il y a un peu de ça. Hola, Mister Patrice. Hola, Anthony. Bah, il y a du monde qui déboule. Installez-vous, hein, mettez-vous à l'aise. Non, tu ne trolleras pas. Si, vas-y, Philippe, tu peux troller tout ce que tu veux, tu peux y aller. Moi, j'ai pas répondu, je suis ta politique Twitter
en ce moment. Je ne me lance pas dans les débats stériles. Donc quand je vois passer des trucs comme ça, je laisse filer. Je ne sais pas s'il va se joindre à nous. Il y a un utilisateur qui s'appelle Mercure qui passe de temps en temps. Je vais essayer de le retrouver sur Twitch ou je pense sur la communauté Godot si j'ai bien visé. Je voulais le remercier pour m'avoir offert un abonnement d'un mois à la chaîne de Binaugure. Donc je n'ai aucune idée, j'ai découvert ça avec honte tout à l'heure. Ça fait 12 jours qu'il m'a offert ça, j'ai pas vu passer la notif. A priori, ça me donne des trucs en plus quand je regarde cette chaîne. Donc je vous mettrai le lien sur la chaîne de Binaugure. C'est quelqu'un qui développe de manière professionnelle. Il a un studio, il vend des jeux. Il développe avec l'outil Godot dont je vous avais déjà parlé. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le plaisir de voir qu'on m'avait offert ce petit abonnement. Je vais aller voir ce que c'est et surtout retrouver Mercure pour le remercier. Donc, si tu passes par là et que tu regardes la vidéo après coup, Mercure, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Mais revenons à nos moutons, ou en l'occurrence à cette console 32 bits, 32 bits. Donc là, c'est le projet donc Kickstarter initial. Je pense que la pandémie a évidemment pas aidé à la mise au point finale. Il y a déjà, je sais plus, il faut que je regarde. J'ai dit un an tout à l'heure, mais je pense que ça doit être plus proche de deux. Et puis il y a eu toute une phase de bêta où on a reçu en fait une console avant qu'elle soit terminée en fait. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, que parmi les petites différences, ben il y a un bouton qui a été changé de place, un joystick qui a été changé de type de pièce un peu plus fiable. Mais en théorie, il y en a qui ont déjà fait le changement eux-mêmes. Et surtout, par exemple, il n'y a pas la batterie qui est incluse dans le produit final, il n'y a pas la coque qui est incluse dans le produit final. On devrait avoir des propositions pour faire une espèce d'upgrade dans la foulée. Donc le Kickstarter, c'est fini. La phase de bêta est en train de se terminer, puisque là, les premiers qui avaient passé commande, les Early Birds, sont en train de recevoir eux aussi, alors là, pour la peine, la console finale. Et c'est vrai que moi j'avais un peu laissé tomber, alors par manque de temps et puis voilà, toute cette fabuleuse année 2020, ça m'a pas aidé. Le projet est intéressant à plus d'un titre pour moi. Pour l'instant, il n'avait pas atteint ce que je souhaitais, parce que moi j'aurais voulu par exemple pouvoir commencer à préparer du contenu pour apprendre à des gens à programmer avec autre chose que du C. On va pas revenir sur la polémique, hein. Moi, je le code en C déjà aujourd'hui, mais il est censé y avoir une capacité à coder cette console en LUA. Je suis sûr qu'on finira par arriver à avoir du circuit de Python, puisqu'il y a le microcontrôleur utilisé à une version de circuit de Python qui fonctionne, donc on devrait y arriver. Bref, tout ça pour dire, je voulais faire plutôt de l'initiation, et que là, en C, c'était quand même un petit peu hardcore. Alors, il y a eu toute une phase pendant la bêta où moi, j'ai carrément lâché l'affaire. C'était vraiment des gens très, enfin, très pointus hein, qui étaient dans la bêta et qui aidaient à terminer et en tout cas à donner les bonnes orientations. C'est vrai que le SDK est quand même a de la gueule maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds aujourd'hui, un peu fatigué du week-end. Oui, donc il n'y avait pas tout le contenu que j'aurais souhaité. Il manque encore pas mal de docs. Mais là, c'est vrai qu'avec l'arrivée des Early Birds, ben, on arrive quand même à quelque chose qui est sympa. Oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et dans ce qui est intéressant, c'est que on peut. Alors, ça, c'était la page du projet tel qu'annoncé, codé en LUA ou en C++, mais surtout pour faire son propre jeu et son initiation. Ce qui est vendu aussi par Pimoroni, c'est les outils qui vont avec, des tutoriaux et surtout plein d'assets. Et pour l'instant, je sais qu'il y a des assets qui sont presque livrés, mais pas encore. Et ça manque carrément. C'est-à-dire que quand tu veux commencer, si tu veux t'intéresser à la partie code, il faut trouver tes sprites, il faut trouver tes sons. Et ça, il y a des choses, mais il n'y a pas tout. Donc là, ils sont en train de passer la vitesse supérieure. La doc est en train d'être améliorée. Là, c'est pareil. Même quand je m'y suis remis, je vais faire une petite contrib sur l'installation des outils sous macOS, parce qu'il y a quand même 2-3 bricoles qui sont à changer à mon avis. Le sprite editor est en cours, puisque je l'ai récupéré tout à l'heure, et pour l'instant c'est surtout la version embarquée, alors c'est intéressant. Le sprite editor marche sur la console elle-même. L'application à côté a encore quelques petits glitches, mais
On va y venir. Moi, je sais que je vais utiliser a priori ASSprite. Je sais jamais le prononcer. ASE Sprite Editor, qui est l'outil pour faire des sprites que j'utilise pour toutes les autres plateformes, que ce soit Godot, que ce soit sur la PewPew et autres. Il manque aussi le Map Editor. Il y a un début de quelque chose, mais c'est pas fini. Oui, il y a des sites qui te vendent, bien sûr, qui te vendent des sets de sprites. Là, l'intérêt, c'est que les sets de sprites sont vraiment pile au format que le SDK peut digérer. Enfin, c'est vraiment fait pour faciliter l'accès aux gens. J'en ai vu une partie, ils ont déjà montré une partie pendant la campagne et pendant la bêta. La personne qui a conçu les ressources graphiques est venue le faire avec eux et fournit en fait les spreadsheets au bon format. Donc oui, il existe plein de ressources, je n'en doute pas. Là, c'est vraiment tout intégré, le fait d'avoir cette espèce. Pour moi, le succès, en tout cas, que peut avoir cette console, outre l'intérêt qu'elle a déjà aujourd'hui, hein, c'est déjà une bonne console, il y a un bon SDK. Toi, tu sais faire des spritz, monsieur Patrice. Bah ouais, je crois que Philippe aussi. Mais vraiment, le fait d'avoir cette espèce d'environnement du SDK, que ce soit C++, LUA ou éventuellement Python, plus les ressources, plus. Enfin, je trouve que c'est ce qui devrait amener, à mon avis, un joli succès s'ils vont bien jusqu'au bout. Ça leur a demandé énormément de travail, il leur reste encore beaucoup à faire, notamment sur la doc, mais je ne désespère pas. Donc pour l'instant, c'est en l'état, voilà, c'est essentiellement un repository et une succession de repositories. Mais ce que vous attendez peut-être à juste titre, c'est quand même de la voir, cette console. On va essayer de vous montrer ça. Alors, tac, tac, tac. Voilà la bête. Alors, normalement, vous devrez continuer de m'entendre correctement si tout va bien. Donc voilà, je l'ai démontée juste pour vous. Normalement, elle est assemblée ici. La version bêta n'a pas de coque, mais a quand même une protection des composants avec une succession de petits spacers comme ça. J'ai démonté tout à l'heure parce que je trouve que le PCB est magnifique. Alors déjà, la version bêta est un petit peu, on va dire, collector. C'était la petite faveur qu'il nous faisait, puisqu'elle a des dessins d'un jeu qui me rappelle voilà, tous les jeux Spectrum avec lesquels je m'éclatais. Et je trouve que le PCB est particulièrement beau. Mais bon, ça n'engage que moi. Je m'intéresse des fois à des choses qui vous dépassent peut-être, je ne sais pas. Il y a vraiment normalement accès à tout. On est censé, par exemple, pouvoir changer le stick analogue, je crois. Si je dis pas de bêtises, là c'est le petit haut-parleur qui peut être remplacé éventuellement. Ici c'est l'emplacement où sur la version finale il y a la batterie. Donc j'en ai au bon format, mais pour l'instant ça me convient de fonctionner en USB. Qu'est-ce qu'il y a? On peut ici rajouter, il y a des broches pour se souder directement quelque chose ou un connecteur. Là c'est le connecteur de la batterie, pardon. Et ici on peut se connecter pour ajouter les choses. On a des accès par là au LED, mais là ça j'irai pas les changer, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi. Le microcontrôleur, hop, pardon, peut-être pas bien. Le microcontrôleur, c'est un STM32 H750, et je peux vous dire que ça envoie. Il y a vraiment une énorme capacité de calcul là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est du micro USB, dans le petit bouton reset. La console en elle-même, bah tiens, voilà, je vais vous faire ce petit plaisir. Je ne l'avais pas enlevé de toute la phase de bêta. Tada! Rien que pour vous, en exclusivité, j'enlève le protège-écran. Quel bonheur! Voilà. Un joli petit écran. Je retournerai sur la page pour ne pas vous dire de bêtises, pour vous dire la résolution, mais c'est vraiment sympa. Une partie directionnelle, juste une croix classique. Plus un joystick analogique. Là, on a quatre boutons pour les jeux eux-mêmes. Ici, c'est plutôt réservé au menu éventuel pendant le jeu. Je vais vous l'allumer. Hop, hop, hop. Donc là, pour tout vous dire, juste avant l'émission, histoire de bien rigoler, je suis parti dans le dernier firmware. J'ai fini de réinstaller la toolchain, je vous ferai des petites remarques après, vous m'y ferez penser si j'oublie de revenir là-dessus. Dorénavant, donc là dans les choses qui ont avancé,
On a un vrai launcher qui permet d'aller sélectionner sur la carte SD tous les programmes que vous avez installés. On a accès à la partie DFU, là où il y a le menu avec un certain nombre de contrôles pour changer le rétroéclairage, le volume. D'ailleurs, il est peut-être un peu. Non, il est peut-être pas assez fort, alors j'ai vu. On peut faire des screenshots aussi, enfin, il y a un certain nombre de choses. Ici, on a un menu Connectivity pour passer en mode DFU, ça va permettre de flasher. Le mode qui permet de le mettre en mass storage pour déposer comme sur une clé USB. Ah, on voit rien, merci, putain, quel con. Enfin, bon, là, c'est un menu DFU, hein, c'est parce qu'il y a de plus joli. Hop, hop. Voilà, on voit mieux. Ah ouais, je vous ai fait ce petit cadeau d'enlever. Tout à l'heure, quand je l'ai reprise, la console, je voulais enlever. C'est un de mes petits plaisirs d'enlever les protections sur les écrans. Je me suis dit quand même, je peux, à quelques minutes près, je peux attendre et le faire avec eux. Donc voilà, des infos sur la batterie. Sortir d'un jeu, ça passe par ce menu. Et puis après, comme dans la version finale, on pourra aussi l'éteindre par ce menu. En bas, on voit le numéro de version que j'ai compilé tout à l'heure là, qui vient de master, voilà. Je sais plus comment on ressort par là, voilà. Toc. Je peux aussi vous montrer la tête. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben là, il y a un jeu qui est un Arkanoid. Voilà. Un peu des reflets. Faut que je trouve un meilleur setup pour vous montrer un peu. Hop. Je sais pas si je vais arriver à jouer avec le reflet là. Ouais, si, à peu près. Et là, vous n'allez pas entendre le son, il n'est pas assez fort. Parce que mon micro est quand même assez loin. Je vais essayer de rapprocher un peu le micro sans vous casser les oreilles. Ouais, il y a plein de reflets. J'ai vraiment juste là au-dessus de la caméra, j'ai un Velux. Ça fait partie des modifications que je veux apporter à mon installation, comme dirait l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis sur Muted. J'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Tiens, c'est pas mal ça, voilà. On va augmenter. Voilà, donc là vous devriez. Voilà, c'est pas le jeu, c'est pas le meilleur exemple du son que je voulais vous montrer. Hop. Alors, comme sur toutes les consoles où je développe, je veux faire un jetpack. J'avais commencé à choper mes ressources pendant la bêta, mais évidemment, entre-temps, je me suis fait cramer. Donc voilà, le meilleur jeu de tous les temps de l'univers de la galaxie, et je ne discuterai pas. Jetpack. Donc il n'y a pas les bruits de laser encore. Mais voilà, il a commencé à bosser là-dessus. Il y a encore un petit peu de travail sur l'inertie. Donc le jeu, voilà, c'était d'assembler les pièces de sa fusée. Donc il y a encore un bug, c'est-à-dire que je peux rattraper au vol une pièce, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais voilà, j'ai discuté avec lui tout à l'heure. Je pense qu'on va contribuer tous les deux. Quand vous avez assemblé la fusée, il s'agit de. Il s'agit. Hop. Je sais même pas si je peux éliminer les aliens, si. Non, même pas. Il manque encore des trucs. Voilà. Et il y en a bien d'autres. Histoire de vous faire. Hop. La démo. Donc il y a un Doom qui tourne. Hop. Je sais pas si je peux. Attends, je vais laisser partir la démo, ce sera plus facile. J'arrive pas à sortir du menu quelconque, voilà. C'est la merde avec le reflet. Moi, ces petits sons, ça me rappelle vraiment des trucs. Je sais pas si le micro, je vais l'approcher encore un peu. Est-ce que vous entendez? Voilà, que d'heures de gâchées de mon adolescence avec plaisir. Donc voilà, vous avez toute une panoplie de jeux qui ont été créés. Alors, il y a des démos, il y a des jeux faits par des gens. Je vais vous montrer, là, il y a déjà un site qui répertorie un petit peu ce que les gens ont bien voulu mettre à disposition. Une petite démo avec des flocons, là, pour terminer cette saison. Donc voilà, voilà. T'étais plus Duke Nukem. Ouais, mais t'es plus jeune, non? Avant Duke Nukem, il y a eu Doom quand même.
n'est pas arrivé à Doom par magie. Hein. Alors, je vais vous repartager Donkey Kong. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'amuser à faire des portages de, mais carrément du Donkey Kong de Game & Watch. Bah, t'as pas joué assez tôt alors, Bebox, c'est pas possible. Non, on va pas refaire la table ronde sur les anciens, Philippe. Alors, hop, que je vous remontre. Voilà. Voilà, il y a ce site qui leur permet, alors là, on peut mettre un filtre sur la version de firmware qu'on a, puisqu'ils mettent à disposition les jeux recompilés pour différents firmware. Bon, ils essayent de laisser à jour. Et je sais qu'il y a une petite initiative, j'ai pas eu le temps de regarder, où ça fait carrément comme un. Alors il n'y a rien à vendre pour l'instant, mais comme un mini store pour essayer de proposer les jeux sur une belle petite vitrine. J'avais un Amiga, moi, Doom. Alors déjà, t'avais un Amiga, tu vois, ma phrase elle s'est arrêtée là. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, Bebox. On fait Twitch à l'EHPAD tous les jours. Non, non, mais Doom, c'était sur Amiga, c'est pas sorti directement plutôt sur PC, ça? C'est les premiers jeux un peu impressionnants d'os, non, ça? Faudra creuser. Peut-être qu'après, il y a eu un portage vers Amiga, mais il me semblait que ni l'Atari ni l'Amiga n'étaient les cibles de Doom initialement, mais peut-être que je dis une bêtise. Toujours est-il, ce que je voulais vous montrer... donc là, ben, c'est à la dure ce que j'ai fait tout à l'heure là, pour les différents outils. Il m'en reste encore un là, qui permet d'accéder directement, qui s'appelle 32 bits, tout bêtement, qui est censé s'appuyer sur du code Python, mais sur le Mac, il va chercher le Python 2.7 au lieu d'aller chercher le Python 3 que j'ai installé. Donc il y a encore des trucs qui restent à corriger, mais c'est de la doc et du settings. La petite blague pour ceux qui, alors je vais contribuer à leur doc là-dessus, ceux qui souhaiteraient se lancer avec le SDK de 32 bits, il y a quand même quelques petites blagues qui sont valables pour, je pense, tous les gens qui cherchent à faire de la compilation C avec la partie GCC ARM en fait. Ce qui se passe, c'est que macOS avec sa sécurité comment dirais-je, en fait, va vous interdire tout ce qui n'est pas d'un développeur enregistré, blablabla. En attendant, quand c'est la toolchain composée de je sais pas combien de, je sais pas, il va y avoir 15 ou 20 binaires qui sont impliqués dans l'installation, le brew install sur macOS fonctionne très très bien. Et au moment où vous utilisez, à chaque fois qu'il utilise un des nouveaux binaires, je sais rien, ARM copy, ARM linkage et autres, il va vous bloquer le truc avec une pop-up qui vous dit « Voulez-vous supprimer le binaire ou juste annuler ?» Donc vous êtes obligé d'annuler, ça pète votre compile, faut aller dans les settings de sécurité, dire « Si, si, j'autorise ce truc-là » et ainsi de suite pour chacun des binaires. J'ai pas trouvé de moyen de les faire reconnaître tous d'un coup. Mais outre cette phase-là, le reste fonctionne tout aussi bien que sous mon Ubuntu pour compiler tout ça. Je sais pas ce qui vous intéresse là-dedans, je vais peut-être pas vous montrer non plus. Donc ça c'était le makefile, j'étais sur la doc aussi, voilà, c'est du C. Si je vous montre un des exemples, est-ce qu'ils sont là les codes, je sais plus où ils sont rangés. Non, c'est pas là. Voilà, les exemples sont là. Si on prend... bah non, ça c'était les preuves. Alors, il y a Another World, mais il est pas compatible avec le firmware pour l'instant. Et Doomfire, c'est pas le Doom complet. Voilà, donc après, on se retrouve avec du C++, tout ce qu'il y a de plus C++. Voilà. Avec bien sûr les, comme on voit souvent, des nécessités de faire tourner des méthodes, donc méthode update, méthode render. Il y a tout un tas de trucs. Il y a une codification. Plutôt bien documenté cet aspect là, ça a quand même bien évolué et plutôt stable maintenant aussi. Donc ben, c'est le genre de code que vous allez devoir parcourir et coder vous-même si vous voulez vous lancer. Il y a pour l'instant pas énormément
C'est pas un écosystème très riche. Il y a pas, je sais pas comment vous trouvez quand on est sur le Godot, par exemple, on va avoir tout de suite un petit moteur de physique au moins 2D pour simuler la gravité et autres. C'est pour ça que, par exemple, dans la version de Jetpack qui a été faite, la réaction du Jetpack n'est pas très fluide parce que il faut tout coder, y compris un petit moteur de physique, donc ça fait beaucoup de boulot. Mais je sais qu'il y en a certains qui se sont déjà attelés à des librairies pour faciliter l'utilisation des sprites, Donc c'est en train de s'enrichir. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses, mais on est encore, ouais, c'est encore une phase maker-maker, comme dirait l'autre, hein. Faut pas avoir peur de plonger. On met à jour soi-même le firmware en le compilant pour l'instant, même s'ils vont mettre à disposition une mécanique plus simple. Il y a des outils visuels qui sont en train d'être développés. Déjà, la version Windows et macOS doit exister d'un outil qui permet de flasher simplement le firmware, hein, parce que c'est nécessaire s'ils veulent en faire un truc un peu plus grand public, même si ce n'est pas l'objectif final. Ça restera quand même une console dans le but de développer vous-même vos jeux. Je pense que ben, la page que je vous mettrai en lien et qu'il faudra que vous suiviez, Beatbox et Philips, c'est celle-ci, puisque je pense que c'est par là où ils annonceront la suite. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le jour où c'est mis en vente, je vous le signalerai. Je vais essayer de voir où ça en est là, entre cette page-là et l'autre que j'ai vu apparaître, savoir où il y a la liste des applications la plus complète. Je vais regarder aussi où ça en est, ces histoires de ressources. Je vous tiendrai au courant de tout ça parce que ouais, il y a encore il y a encore un petit peu de boulot, mais ça a beaucoup progressé. Ouais, moi, je vais retourner à mon petit jetpack. Je vais les proposer donc à Mike, là, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, s'il veut qu'on contribue ensemble. Ça peut être sympa. Ça me permettra d'apprendre un tas de trucs comme d'habitude, comme j'aime. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur la 32 bits, un truc que vous voudriez que je partage. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur la 32 bits. Comme promis, je vous tiendrai bien sûr au courant de si j'arrive à en faire quelque chose. Pas parce qu'elle marche ou marche pas, mais parce que j'y consacre du temps. J'espère que je vais réussir à débloquer un peu de temps, parce qu'elle, ouais, ça me fait envie. C'est une jolie petite console. Ah oui, je vous ai pas montré ce qui est un petit résumé quand même. Donc c'est un écran de 3 pouces et demi. Le STM32, c'est un Cortex M7 à 400 Hz. Il y a effectivement un joystick analogique et puis un D-pad, comme je vous ai montré, un built-in speaker. Ils annoncent un temps de vie de batterie que je ne veux pas vous confirmer parce que j'ai pas le modèle avec batterie. Est-ce que dans la campagne ils donnaient plus de détails? Je pense que oui. Voilà, il y a un petit peu plus de détails. 32 mégas de flash. Oui, on a déjà plein de jouets à s'occuper, Philippe, mais un jouet de plus ou de moins, ça fait la différence. Donc la résolution annoncée pour l'instant de ce 3 pouces et demi, c'est du 320-240 en 16 bits, c'est un TFT, un IPS. Donc voilà, 32 mégas de flash plus la micro SD. Le principe du launcher, c'est de consommer avec le firmware le moins possible, bien sûr, de mémoire. Le firmware est là pour redonner la main au launcher derrière, et puis... soit vous l'avez déjà fait une première fois, donc il va réutiliser ce qu'il a flashé en mémoire, mais sinon il part de la SD card et il flash le jeu pour vous en mémoire. Ça sera livré avec une batterie de 1200 mAh. Je ne peux pas commenter. Il y a un accéléromètre, voilà, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure ça. Micro USB, voilà. Et donc l'idée c'est de fournir, donc là ils sont pas tous, hein, mais. Il commence à y avoir des débuts de quelque chose. Moi, je suis très intéressé par la partie tuto. Et puis, comme toujours, soit contribuer à faire le contenu, soit à rendre plus facile pour tous ceux d'entre vous qui galèrent avec l'anglais, ben de faciliter la transition par le français. Moi, ça ne me gêne pas de faire des petites vidéos et des explications là-dessus. Il va clairement manquer la mise à disposition des free assets qui sont censés être livrés. Voilà. Je vais poser les questions et vous tenir au courant au fur et à mesure, mais je sais que ça bouge. Par exemple, dans les outils, je sais que le Sprite Editor est en développement très actif. Là, j'ai commencé à l'utiliser un peu. Les autres, je crois que ça n'a pas beaucoup bougé. Le Map Editor, il y avait quelque chose. Les autres, j'en ai pas vu passer. Voilà, donc il est censé avoir plein, plein de choses qui arrivent.
Je pense que le Brexit et la pandémie ne les ont pas beaucoup aidés, notamment sur les livraisons. Enfin, j'ai eu, pas pour celui-là, parce que moi j'étais déjà livré, mais j'ai eu d'autres projets où ils sont obligés de revenir vers les gens pour leur dire, ben désolé, mais en fait, on va vous rendre l'argent des taxes qui avaient été prélevées, puisque maintenant ça marche plus comme ça. Par contre, on va être obligé de vous signaler au transporteur, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de payer ses taxes aujourd'hui. Et donc, c'est, on en a déjà parlé l'autre fois, punition double, on paye ses taxes à l'État, plus au transporteur qui se gave gentiment au passage de plus que les taxes que vous avez à payer, alors qu'il ne fout rien du tout. Donc voilà, là, il y a quelques petites photos des trucs de pré-production. Hein. Ils ont pas mal communiqué pendant la bêta, c'était assez clair. Et voilà, moi je vais apprendre pour moi déjà la partie C++, me replonger un peu là-dedans. Et s'il n'y a pas Python, c'est pas grave, mais pour la facilité de la chose, il faudra que je regarde le côté LUA. C'est avec ça que j'aimerais faire des vidéos de tuto, c'est quand même plus accessible. Ouais, DHL-UPS, c'est pas tellement une spécialité de DHL-UPS en fait, c'est parce que c'est les deux transporteurs que tu rencontres le plus souvent à l'international. Mais il y en a d'autres, et je me suis aussi fait cramer par d'autres. Mais ouais, DHL et UPS, c'est ceux qui m'ont coûté le plus cher. Ouais. Ouais, je crois le record, je crois c'est DHL. J'avais pour 14 euros de taxes, je crois. Eux, ils m'ont prélevé en plus pour eux 22 euros, donc n'importe quoi. La Poste, non, il n'y a pas de problème de La Poste avec les taxes, puisqu'ils feront pas. C'est pas eux qui seront le transporteur du pays d'origine, donc ils vont pas te recoller. Les douanes par-dessus ont des faux frais de douane par-dessus. C'est de ça qu'on parlait. Je sais pas. C'est un peu la mode de cracher sur la poste, mais moi j'ai eu tellement de galères avec d'autres. Ça dépend vraiment du dernier maillon dans mon expérience de toutes mes livraisons. C'est-à-dire que absolument tous font appel à des sous-traitants. Et suivant la qualité du sous-traitant local, ça va bien se passer ou pas. Le sous-traitant local peut être, dans le cas de la poste, le facteur qui passe chez toi. Et moi, je sais que ça fait quelques mois là que j'ai quelqu'un de très bien et ça se passe très très bien. Mais avant, j'en avais un autre, ça se passait mal et ainsi de suite. Donc oui, les livraisons, c'est un peu. Ah, Patrice, tu as des cas où tu as. Mais je comprends pas comment c'est possible. Tu peux pas te faire livrer par la poste avec un produit qui part par exemple d'Angleterre ou des États-Unis, puisque ça n'existe pas comme prestataire chez eux. Ouais, mais si ton centre de tri ou ton bureau de poste proche déconne, bah il déconne. Hein. Mais ouais, sur les. J'en avais déjà parlé, moi ça me pose aucun souci de payer les taxes telles qu'elles sont en vigueur au niveau de la législation. De la même façon que ça me pose aucun souci de payer mes impôts, il n'y a pas de problème. Mais si on pouvait juste avoir un moyen qui fait que c'est pas le transporteur qui se gave parce qu'il fout vraiment rien. Le transporteur, il se contente dans son entrepôt d'avoir une zone douane où je sais même pas si les douaniers passent. Il y a un montant qui est déclaré, des frais qui sont appliqués. Eux, ils font un calcul magique avec ce truc-là pour s'en prélever pour leur poche un montant magique, magique. Et c'est tout. Et ils ne font rien. C'est donc du vol pur et simple. Et on ne peut pas faire autrement puisqu'il n'y a pas de. On ne peut pas contourner le transporteur qui va amener votre colis. Franchement, celui qui arrive à inventer une plateforme où tu payes la taxe au départ, moi ça me pose aucun souci de payer mes taxes au départ et au moins on vient pas te charger la gueule encore derrière. Tu n'es pas obligé de les payer, ben j'ai essayé pour tout te dire, Wassim, une fois et mon colis est reparti donc je l'ai eu dans l'os jusqu'au bout et il est parti une deuxième fois avec alors c'était UPS, effectivement, j'ai refusé de payer, ils ont refusé de livrer. J'ai essayé d'avoir les recours que je pouvais. Derrière, comme c'était un refus, c'est remonté chez le fournisseur chez qui j'avais acheté, qui a été sympa. Il a pris pour lui parce qu'il s'est retrouvé à payer les frais de douane une première fois. C'est reparti avec DHL qui m'a aussi fait payer les frais de douane. Donc s'il y a une recette pour refuser les frais UPS, je suis prêt à en discuter avec grand plaisir parce qu'il est temps que ça cesse cette arnaque. Donc, s'il y a une vraie procédure,
moi je suis prêt à payer le vrai prix et pas cette espèce de surtaxe débile qui nous rajoute. Donc Wassim, je suis preneur. Ah non, les frais de douane, on est d'accord, tu payes tes frais de douane. Mais sur ta facture, tu as deux choses qui apparaissent. Tu as les frais de douane. Alors chez UPS, il y en a même trois. Tu as les frais de douane, des frais de dossier et un troisième frais avec un nom complètement abscon qui ne sert à rien. Oui, les frais de gestion de dossier, c'est une arnaque. Le problème, c'est que si tu ne les payes pas, le livreur, il vient même pas jusque chez toi. Ou alors, il refuse de te payer le colis puisque tu n'as pas le petit code de validation qui dit que tu as payé tes taxes. Il refuse de te le filer dans la procédure UPS. Donc, je suis vraiment preneur. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus pratique d'en discuter là, mais on peut discuter par MP sur Twitter ou où tu veux. Je suis vraiment preneur parce que payer mes frais de douane et mes taxes, zéro problème, il n'y a pas de souci. Payer des frais de gestion de bidon à un transporteur qui fait déjà mal son boulot, je suis pas d'accord. Donc ouais, j'espère que nous allons avoir une discussion sur Twitter. Pour moi, je suis preneur. Sur ce, les loulous, je vous aime beaucoup, mais j'ai super faim. Je vais aller manger quelque chose. J'espère que cette petite présentation de la 32 bits vous a plu. Coucou les gens de chez Epi Moroni qui sont venus jeter un œil. Je suis ravi d'avoir cette console. Ma foi, j'espère que vous allez pouvoir lancer vos projets. Moi, je vous tiens au courant, premier juré, sur tout ce qui se passe avec la 32 bits parce que j'aime beaucoup cette console. Je ne manquerai pas d'être une fois de plus le vilain qui vous donne envie d'acheter un gadget de plus. Ce sera avec grand plaisir. Et puis Wassim, je reviens vers toi en DM ou sur Twitter en public, il n'y a pas de souci. À très bientôt et passez une bonne journée. Si vous êtes dans un endroit où il fait froid comme moi, restez au chaud. Et à très bientôt.